Après plus d'une année d'attente d'une solution à la revendication, les habitants des Kabila 1 ont décidé de passer à la vitesse supérieure à travers une marche pour faire entendre encore leur voix. Conformément à l'article 26 de la Constitution de notre pays, lié à des manifestations publiques, nous, en tant que victimes d'inondations et de pollution des eaux des entreprises minières COMIS et KCC, venons informer les autorités provinciales de notre marche pacifique qui aura lieu ce vendredi 4 novembre 2022. Notre marche s'inscrit dans le cadre de dénoncer, de manifester notre inquiétude par rapport à la légèreté par laquelle le gouvernement à qui nous avons fait confiance traite ce dossier. Par la même occasion, ces membres du comité des bases appellent toutes les victimes à unir les efforts pour trouver gain de cause à leurs revendications. Dossier, c'est une occasion pour moi d'inviter une fois de plus à toute la population du quartier Kabila 1er de joindre à cette manifestation qu'eux-mêmes avaient d'ailleurs demandé depuis longtemps, une manifestation pacifique au respect des biens publics et privés qui va débuter au niveau des arrêts restaurants route Kapata à partir de 9h jusqu'au gouvernement provincial où nous allons lire notre mémorandum. Plusieurs mois passés, les maisons d'habitation de ces habitants des Kabila 1 ont été victimes d'inondations des eaux jugées acidifiées provenant de deux entreprises minières situées à proximité.